la huppe faciée, Huppupa et Pop, est un oiseau de taille moyenne appartenant à la famille des Huppupidae. Voici une description de la huppe faciée. Apparence générale, la huppe faciée est reconnaissable grâce à son apparence unique. Elle a un corps rond et compact, avec une longue crête dressée sur sa tête. Elle mesure environ 25 à 29 cm de longueur. Son plumage est principalement brun-roux sur le dessus, avec des motifs de rayures noires et blanches sur les ailes et la queue. Le dessous de son corps est de couleur beige rosé. La crête distinctive de la huppe faciée est composée de plumes allongées, dressées vers le haut. La crête est souvent relevée lorsqu'elle est excitée ou en période de parade nuptiale. Lorsqu'elle est au repos, la huppe replie sa crête, laissant apparaître une tache blanche en forme de demi-lune. Bec et yeux. La huppe faciée a un bec long et courbé vers le bas. Son bec est mince et pointu, adapté pour attraper des insectes. Ses yeux sont de couleur jaune vif, entourés d'une fine ligne noire. Habitat, la huppe faciée se trouve dans une grande variété d'habitats, notamment les zones boisées, les forêts, les savanes arborées, les terres agricoles, les jardins et les parcs. Elle préfère les habitats ouverts avec des arbres dispersés, où elle peut trouver des insectes et des larves. Comportement, la huppe faciée est un oiseau actif et agile. Elle est souvent observée en train de sauter et de courir sur le sol à la recherche de proies. Elle est également capable de voler rapidement et de manière acrobatique. Elle émet des vocalisations caractéristiques, notamment un cri répétitif « oup-oup-oup » qui lui a valu son nom. Répartition géographique. La huppe faciée est présente dans une vaste zone géographique qui s'étend de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie centrale et l'Inde. Elle est migratrice dans de nombreuses régions, se déplaçant vers des zones plus chaudes pendant l'hiver. Vol migratoire. Les populations de huppe faciée situées plus au nord migrent généralement vers le sud avant l'arrivée de l'hiver. Elles effectuent souvent de longs trajets, traversant des pays et des continents pour rejoindre leurs aires d'hivernage. Leur migration est généralement associée à la disponibilité de nourriture et aux conditions climatiques.
alimentation, la huppe fasciée est principalement insectivore. Elle se nourrit d'une grande variété d'insectes, de larves, de vers et de petits invertébrés. Elle localise ses proies en sondant le sol avec son bec ou en les attrapant en vol. Elle est notamment connue pour manger des guêpes et des abeilles, et elle a développé une technique de défense spéciale pour se protéger des piqûres en secouant les insectes avant de les avaler. Reproduction, la huppe fasciée est monogame et se reproduit pendant la saison chaude. Le mâle effectue des parades aériennes pour attirer l'attention de la femelle. Le couple construit ensuite un nid dans un trou d'arbre, une crevasse rocheuse ou un autre endroit protégé. La femelle pond généralement 5 à 7 œufs, qu'elle incube pendant environ 16 à 18 jours. Les deux parents participent à l'élevage des jeunes. Incubation des œufs. Après la ponte, les œufs de la huppe fasciée sont incubés par la femelle pendant environ 16 à 18 jours. Pendant cette période, le mâle nourrit la femelle au nid. Une fois les œufs éclos, les deux parents participent à l'alimentation et aux soins des jeunes. Comportement de nidification. La huppe fasciée est connue pour son comportement de nidification particulier. Elle utilise souvent des cavités naturelles dans les arbres, les murs rocheux ou les terriers abandonnés pour construire son nid. Elle peut également s'installer dans des nichoirs artificiels. Elle tapisse le fond du nid avec de l'herbe, des feuilles et des plumes. Protection du nid. Lorsque la huppe fasciée est menacée ou que son nid est approché, elle peut adopter une posture défensive. Elle déploie ses ailes et sa crête, émet des cris d'alarme et peut même simuler une blessure pour détourner l'attention des prédateurs potentiels. Symbolisme et folklore, la huppe fasciée est un oiseau très apprécié dans de nombreuses cultures. Elle est souvent associée à des symboles de chance, de prospérité et de protection. Dans certaines traditions, la vue d'une huppe fasciée est considérée comme un présage positif ou un signe de bonheur à venir. État de conservation. La huppe fasciée est considérée comme une espèce de préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Bien que certaines populations puissent être affectées par la perte d'habitat due à la déforestation et à l'urbanisation, elle reste assez répandue et sa population globale est stable.
Vocalisation. La huppe fasciée émet une variété de vocalisations. Son cri le plus caractéristique est un son répétitif et nasillard, souvent transcrit comme « oupoupou ». Elle utilise ses vocalisations pour communiquer avec d'autres huppes, marquer son territoire et lors des interactions sociales. Migration, la huppe fasciée est une espèce migratrice dans de nombreuses régions de son aire de répartition. Elle effectue des migrations saisonnières du nord vers le sud, se déplaçant vers des zones plus chaudes pendant l'hiver. Les populations européennes migrent généralement vers l'Afrique subsaharienne, tandis que les populations asiatiques migrent vers l'Asie du Sud et l'Inde. Avec l'homme. La huppe fasciée est généralement bien tolérée par l'homme et peut être observée dans des environnements semi-urbains tels que les parcs, les jardins et les vergers. Elle est appréciée pour son aspect esthétique et son comportement intéressant. Cependant, certaines populations peuvent être menacées par la destruction de leur habitat naturel dû à l'urbanisation et à l'agriculture intensive. La huppe fasciée est un oiseau fascinant, à la fois par son apparence distinctive et son comportement unique. Son rôle dans la régulation des populations d'insectes et sa présence dans divers habitats en font une espèce intéressante à observer et à étudier. Longévité. La huppe fasciée a une espérance de vie relativement longue pour un oiseau de cette taille. En moyenne, elle peut vivre jusqu'à 8 à 12 ans en milieu sauvage, bien que certains individus aient été connus pour vivre plus longtemps.